On a un petit coucher de soleil, on a un Leclerc à côté, il y a une boulangerie juste en face. Et surtout, à côté du Leclerc, il y a une laverie automatique disponible H24. Donc ça, c'est le top. Et du coup, bon, vous avez remarqué un peu le bonnet sur ma tête. Fut un temps, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, même cet après-midi, avec le soleil qui tapait, donc on n'avait pas trop froid à l'intérieur. Mais la nuit, waouh! Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais aller mettre en place le chauffage. Je l'avais bien nettoyé lors du premier confinement. Donc il est nickel propre, du coup il n'a pas été utilisé depuis et là le froid arrive. Donc nous allons l'utiliser et là je vais aller remettre justement l'échappement et la prise d'air que j'avais retiré. Et du coup il fait froid, alors j'ai pas très envie d'être dans le froid pour faire ça, donc je vais le faire quand même rapidement. Et puis mettre un peu d'essence et c'est parti pour les 30 degrés ce soir. Dit précédemment, j'ai pu lors du dernier confinement au printemps dernier décalaminer un peu le chauffage et j'en ai justement bien nettoyé le fond et tout débranché, rebranché. Et du coup aujourd'hui nous avons enfin mis le chauffage parce qu'il fait tellement froid que c'est insoutenable. L'après-midi, c'est simplement magnifique parce que bon, le soleil tape sur la tôle et sur la vitre, donc ça réchauffe. Mais vraiment, le soir, c'est infernal. Donc, j'ai pu faire quelques tests en début de soirée et ce qui s'est passé, il y avait des problèmes électrique, donc ça s'allumait parfaitement. Il y avait juste la masse qui était un peu qui était débranchée en fait, qui était pas branchée. Et du coup j'ai dû faire un petit diagnostic pour trouver cette panne. Et une fois que j'ai trouvé cette panne, donc j'ai pu rectifier l'affaire, qui a fait que il faisait très 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 bon dans la soirée, dans la nuit, c'était merveilleux. Donc je vous invite à regarder dans les descriptifs d'ailleurs, puisque
nous avons mis un peu la liste matérielle que nous possédons à l'intérieur du véhicule. Et justement, nous avons ce chauffage, il y a notre box, internet, tout ça. Donc je vous invite à vraiment aller jeter un coup d'œil. Regardez le lien, il est dans le descriptif. C'est fou comme la cuisson réchauffe le véhicule. On est déjà à 15. Allez, bon appétit.